Donc, quand je regarde cette partition, ça n'a pas l'air trop compliqué. Il y a juste une noire, une croche et une noire pointée. Mais le fait que la croche est sur le temps, en fait, ça fait décaler les deux autres notes, la noire et la noire pointée qui viennent après. Et du coup, les notes là se retrouvent en l'air. On les joue sur les et. Alors, donc Ok? pour compter, je Parfaitement. me sers de mes doigts. Je vous avais déjà montré en cours, mais je le refais ici pour vous, spécial, en privé. Donc je fais toujours ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et on peut faire aussi faire dans l'autre sens. 1 et 2 et 3 et 4 et. Mais moi, je préfère toujours partir de mon petit doigt. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, vous voyez tout de suite que les et, ils sont en l'air. 1 et 2 et 3 et 4. Et du coup, c'est très pratique. Et donc, si on analyse, si on analyse donc la partition que je vous ai montrée tout à l'heure, donc ça fait tac, 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 tac. Ok, donc vous voyez bien que la noire et la noire pointée sont en l'air du coup. Ok, et on va voir ce que ça donne à la guitare. Alors, qu'est-ce que ça donne à la guitare? Donc d'abord les accords et d'abord un capo 2. Ok, sinon ça sonne pas comme il faut. Le premier c'est un sol tout court. Rien de spécial. Deuxième, ça c'est un nom un peu bizarre, mais l'accord est pas trop compliqué. C'est comme si on faisait un si mineur, mais sans barré. Ensuite, la mineur 7, pas trop compliqué non plus. Et ensuite, le ré 7, vous avez peut-être pas l'habitude de jouer, mais il faut en fait déplacer déjà l'accord de la mineur 7, deux cases. Ok? Et ensuite, vous mettez l'annulaire au-dessus et le petit doigt en dessous. Un accord un peu bluesy qui sert beaucoup parce qu'on peut le jouer un peu partout sur le manche. Ok? Ensuite avec l'arpège du coup. Donc les deux premières mesures c'est PPAM. PPAM. Et les deux dernières mesures c'est PPMI. PPMI. Ok? Et en fait, je vais vous le jouer avec un métronome que j'ai ici dans l'oreille. Donc, je laisse passer une fois. On va voir si ça fonctionne. Ah, super. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, parfois il y a le métronome, le truc du métronome est pile sur le temps. Okay? Il est toujours sur le temps, mais nous, parfois, on est entre les temps. Okay? Voilà. Donc, ensuite, je vous conseille d'apprendre bien par cœur cette petite partition. Okay? Pour que vous n'ayez pas à regarder la partition sans cesse. Donc du coup, j'ai enregistré un petit bout du morceau, du vrai morceau, en boucle, pour que vous puissiez vous entraîner à jouer la petite partition que je vous ai envoyée. Ok? Donc je vais lancer la machine. J'espère que ça va marcher. Après, je vais vous laisser un peu avec la musique et je reviens quand c'est terminé. Ok? Donc je vais déjà couper mon son et après c'est parti. Oh, j'ai pas besoin de couper. Je peux peut-être faire après. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4.
Voilà, je suis de retour. Ok, donc je me suis rendu compte en même temps, je sais pas vous, mais si je compte 1, 2, 3, 4, en fait, il faut que j'écrive la partition plus rapide. Donc il faut que je fasse, que je coupe encore les notes en deux, mais ça deviendrait un peu moins lisible, pardon. Donc vous pouvez éventuellement réfléchir à ça si vous avez compris ce que j'ai dit. Voilà, ou si c'était compréhensible ce que j'ai dit. Voilà, je vais faire une autre vidéo sur les autres partitions. À tout de suite. Voilà, pour terminer, une petite vidéo jouée par l'ordinateur. Donc avec les notes qui défilent, avec la mélodie, va voir, pour conclure. Voilà, à plus, ciao. Si ça vous dit, voici toute la grille d'accords pour le morceau. À vous de jouer. Ciao, ciao.